Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Sable Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Je retourne auprès de Jadi, le cœur léger et le poids de mon départ imminent n'en est plus grand. Quelle étrange journée, Sable! C'est un essaim que je vois là. C'est Ciseau qui me l'a donné. J'explique à Jadi que c'est un cadeau de Ciseau. Alors, c'est que tu l'as mérité, bravo. Je m'incline pour le remercier. Eh bien, ce rip, tu ne tarderas pas à présenter. Devant la forge masque, j'essaie de m'imaginer. Face à un forge masque, mais impossible pour l'instant d'envisager moment. Ce moment où je devrais choisir ce que je veux être. Choisir ce que je veux être pour toujours. Je sais à quoi tu penses, mais ne t'en fais pas. Tu recevras de nombreux insignes au cours de la quête. Une fois que tu auras 3 identiques, tu pourras les échanger contre un masque. Mais ne va pas croire que ton premier masque doit être le dernier. Ta quête est un rituel de liberté et d'exploration. Je te conseille de récolter autant de masques que tu le souhaites. C'est seulement lors de la cérémonie finale sera demandé de faire un choix définitif. Et comment faire ce choix? Suis ton intuition, le moment venu, le choix s'imposera à lui-même. Et maintenant, le temps de savoir faire remonter toute mon angoisse, maintenant que tout est prêt, il ne reste qu'une dernière chose à faire. C'est l'heure, je ne crois pas à l'heure de franchir la porte. Le visage du temple de Rohan. De Rohan, là-bas tu pourras assembler ton masque de quête et prendre ton envol. À cet instant, je veux exprimer tout mon amour, ma gratitude, mes peurs, mes doutes et mes espoirs à Jadi. Et bien que ce soit incapable de le faire avec des mots, je sais qu'elle me comprend. Avant que tu t'en ailles, mon enfant, je t'ai préparé ce pantalon de teinture utilisé avec le marron traditionnel des Ekbixi. Et j'espère que tu le trouveras confortable dans le désert. Après ton départ, tu seras plus Sable, jeune fille du clan des Ekbixi. Tu seras simplement Sable. Et le reste suivra. Mais qui que tu sois, où que tu ailles, je te reconnaîtrai toujours et je t'aimerai pareillement. Ce n'est qu'à nous revoir. J'ignore où ma quête s'achèvera, mais je sais où elle doit commencer et je suis prête.
Bon. J'ai juste vu deux choses, je comprends pas. Y a quelque chose que je peux déplacer pour mettre là-dessus. Hop, t'as. Ah, il y en a un autre là, j'avais pas vu. Et voilà. La kinesthésique, masse. Retournons au camp.
Bonjour, Sab. La voix de Jadir résonna bizarrement à travers la machine, mais elle me réconforte. Nous y voilà, Sab. Quand tu entendras ce message, nous serons déjà partis. La quête doit commencer par la solitude. La transcription mécanique estompe les nuances de son discours, et c'est tant mieux. Je n'aurais pas supporté d'entendre tes tremolants dans ta voix, sans me jeter dans ses bras, en pleurant pour y rester à jamais. Mais je suis prête alors, je ferme les yeux et j'écoute. Mais même si tu es seul, tu n'es pas sans amis. Tu as une famille. Tu es entouré d'amour. Tu emporteras toujours toutes ces choses avec toi aussi sûrement que tu portes ton masque. Je sais que je ne suis pas censé t'aider, mais je te conseille d'aller voir Utari. C'est la machiniste du poste du chêne brûlé. Elle compte parmi les meilleurs proches de Ciseaux. Ton aide te sera précieuse dans ta quête. Et si le cœur t'en dit, elle a sûrement un autre insigne de mécanisme pour toi, mais ce n'est qu'une simple suggestion. Quant à nous, une fois que nous serons de retour à Linguière, je t'enverrai un nouveau message. Alors surveille bien les boîtes postales. Ne nous oublie pas. Et prends une longue inspiration et j'oublie que des choses aussi simples que respirer existent. Le monde t'attend, Sable. Bonne chance. Je peux récupérer davantage de masse dans le cas, cérémonie, quitter les canyons. Et voilà. C'était le canyon. Table. Je fais bien d'aller voir Utari, la machiniste du poste. La musique est fantastique, hein?
C'est beau, cette musique-là. Ça relaxe. Eh, bonjour. Je suis le cartographe d'une petite voie intimiste. Par le fait que nous soyons seuls tous les deux, cette rencontre me semble presque intimiste, bien qu'elle fasse partie intégrante de ma quête initiatique. À son ton de voix, j'imagine qu'elle me sourit chaleureusement sous son masque. Bonjour, novice, et merci d'avoir pris le temps de grimper jusqu'ici. Quand on est exploratrice, il arrive qu'on se sente seul, tu sais. Et je lui réponds que je ne sais ce qu'elle veut dire. Vu que ça m'arrive à moi aussi, quand je suis sur mon aérocycle, en plein désert, pourvu de Simon, ne m'entendent pas. Bien alors, qu'est-ce qui t'amène? Je peux acheter une carte avec plaisir. La carte de Ocelab et Xebipass, le plus clair de leur tendon, de ces étendues de sable brûlant. Certains repères de la région me sont familiers. Mais cette carte m'aidera tout de même à m'orienter. Ce genre de carte est réalisé et vendu par les membres de la guilde cartographique. Merci, novice. Au revoir. Poste du chêne brûlé. La machiniste m'inspecte de pied en cap. Je suis en retard. Pourquoi? Pour notre rencontre, tu aurais dû arriver plus tôt. Je demande à la machiniste comment elle peut me connaître. Je ne le connais pas, pas encore. Perplexe, perplexe. J'attends qu'il explique. Mais lui, elle aussi, semble attendre que je m'exprime. Je ressens brièvement un peu de honte en me souvenant du nombre de fois où j'ai été en retard chez les Exibis. Les Bixi et de toutes les erreurs que j'ai pu commettre. Je chasse mes doutes en me disant que je sais même pas avec qui je suis en train de discuter, alors je lui demande. Je me nomme Utari, mais ce qui compte le plus pour toi, c'est que Ciseaux est ton ami. Je lui demande si Ciseaux, il lui a dit que j'allais arriver, peut-être que mon ami veille-t-elle sur moi en prévenant les oasis avant mon passage pour m'aider dans ma quête. L'idée est extrêmement réconfortante. Non, 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 c'est ton aérocycle, je l'ai entendu il y a plusieurs mois. Et j'ai instantanément reconnu sa voix. J'explique à Utari qu'elle n'a pas pu entendre Simon il y a quelques mois, car Ciseaux et moi l'avons construit il y a quelques jours à peine. Utari fait un geste de la main comme si ce n'était pas important. Il n'a donc rien appris. La voix d'une machine est éternelle, plus ancienne encore que sa forme. Et je l'entends toujours, depuis toujours. Je pensais que celle de ton aérocycle reviendrait plus tôt, mais le voilà enfin. Et maintenant, parlons de la raison pour laquelle tu es là.
Nos objectifs convergent vers le sommet de la tour des vents. Mais en plus, quelque chose perturbe le bon fonctionnement de la tour. J'avais décidé d'aller voir quel est le problème d'ici quelques heures. Mais c'était avant que nous arriviez, Simon, c'est toi. Va là-bas et répare ce qui est cassé ou soigne ce qui est blessé. De mon côté, je te donnerai ce que tu cherches. Je demande un tarif de ce que je cherche, tout en omettant de préciser que je ne suis pas sûr de savoir moi-même une direction dans laquelle aller. Je t'attendais ici, fais vite et ne prends pas de risque. Je dis au revoir à Utari. On préférait ainsi que la première chose que je demandais quand Exébu croisait les marchands itinérants. Bonjour, novice. Ah, tu connais donc leur sac à l'arrêtage. J'imagine que tu as un Ebexi. Passe bonjour de ma part à Omar et Vladi. Bonjour, novice. Ah, ça, je l'ai fait moi-même. C'est une palette de couleurs pour un aérocycle inspiré par la vie de berger. Tiens, prends-en un peu, j'insiste. Ça serait une grande source de fierté pour moi de te voir piloter un aérocycle à nos couleurs sable. À la prochaine. Apparemment, quelque chose bloque la turbine. Elle devrait repartir si je parviens à retirer cet obstacle. Wow. C'est sûrement là-bas. En face, un peu à gauche.
Et voilà. Un petit œuf deux amis. C'est ça, je peux prendre un astro. Astro. Allez voir qu'est-ce qu'il y a là. Oh yeah. Un autre œuf de amis.
Envie d'éternuer. C'est le faux joueur. Et voilà.
Elle est là. Uniforme classique des machinistes de Maiden. Même si chacun d'eux s'arrange généralement pour y apporter une modification correspondant à ses besoins spécifiques. Un Samy en haut.
Larry m'accueille chaleureusement. Que puis-je pour toi? L'enthousiasme de Larry est visible de loin. Elle semble déborder d'énergie. Tu as réussi, merci, bravo, et félicitations à Simon également. Ce n'était pas trop fait difficile. Pas du tout. Non, bien sûr, tu es fait pour ça, Sable. Et maintenant, pour ce qui est de ta. Le terme de récompense ne me semble pas approprié, alors parlons plutôt de ce qui t'est dû. Larry sort de sa poche un insigne de la machiniste et me le tend. Tu en as mis du temps pour y arriver. Mais tu es exactement là où tu dois être. Je te remets cet insigne, non seulement pour l'endroit où tu es allé, pour que ce que tu as fait, mais en l'honneur de l'une de tes nombreuses possibilités d'avenir. Ainsi, si tu décides, tu pourras devenir des nôtres, et de cette façon rejoindre ceux qui parlent le langage inaudible de Simon et ses multiples connexions. Tu devrais gagner d'autres insignes tels que celui-ci, en t'adressant à ceux qui sont en mesure de te les donner. Alors, la forge masse sera ce que tu as choisi. Et tu pourrais aborder le masque de la machiniste. Je te remercie, Utari, en lui disant qu'elle m'a donné matière à réflexion. À cet instant, j'entends un genre de tintement dans mon oreille gauche, lointain et grave, comme le bruit d'une rivière courant sous le sable. Écoute. Je ferais bien de récupérer davantage de masques. Le garde que j'avais devant moi se tient bien droit dans son uniforme usé par le passage du temps, comme pour mieux affirmer son désir de faire son devoir. Bonjour, jeune novice. Je suis presque surpris par la détermination que j'entends dans son salut, et pourtant le ton de sa voix est accueillant et réconfortant. Je le salue avec l'enthousiasme d'une voyageuse rencontrant une personne amicale, et j'ai la sensation qu'elle me sourit derrière son masque. C'est toujours un plaisir de rencontrer un autre aventurier, surtout en ce moment. Comment te débrouilles-tu jusqu'à là? Tu dis cela parce que c'était une mauvaise chose, c'est incroyable tout cet espace, non? Songe que tu peux passer toute ta vie à voyager et te restera toujours des choses à découvrir. Pensant au tissu roulé, aux boules qui, posées sur les pierres, me servent d'oreiller, je n'en suis pas si sûr. En fait, j'ai même mal à la nuque en songeant au nombre de nuits que je vais passer comme ça. D'accord, j'idéalise peut-être un peu trop la chose. C'est que, vois-tu, je m'apprête à partir pour ma seconde quête initiatique. Mon silence exprime clairement ma confusion. C'est possible de faire plusieurs quêtes initiatiques. Je reconnais que le terme est sans doute mal choisi, mais c'est ainsi que je me la présente. Une nouvelle chance de voir le monde et de constater combien il a changé. Je suis une garde des Kryas, vois-tu, ou plutôt je l'étais, car j'ai officiellement pris ma retraite il y a 3 jours. Tu aurais vu la tête des autres quand ils l'ont appris. Son temps est particulièrement enjoué. Il était tout sidéré de me voir partir et plusieurs m'ont prévenu que la grande ville était. Elle me manquait. Plusieurs avaient même l'air désolés pour moi, comme si je risquais de ne plus savoir quoi faire maintenant que j'avais accompli mon but dans la vie, tu imagines? J'essaie, mais j'ai beaucoup de mal à imaginer quel peut être le mien de but, alors que me dire que je pourrais un jour être à un point où j'aurais pu les laisser derrière moi, je secoue la tête. Je les remerciais avant de leur expliquer que désormais j'allais pouvoir me réveiller le matin sans savoir ce qui m'attendait dans la journée et que je trouvais cela particulièrement excitant. En parlant bien, j'ai toujours adoré mon travail, et même le bruit et la fureur des Kryas, mais j'ai passé assez d'années à jouer les durs. Il est temps pour moi de repartir en exploration. Sa joie est contagieuse, je lui demande où elle compte aller. Je crois bien que je vais aller vers la terre morte. J'ai très envie de voir le pont de la trahison. Si tu ne l'as pas déjà fait, je te serais trop te conseiller d'y aller toi aussi. Il se trouve dans le nord des terres mortes, au sud-ouest d'ici. Je hoche la tête. En rangeant cette information dans un coin de mon esprit, et Elisabeth me donne une petite tape sur l'épaule. On se reverra peut-être là-bas. Je fais la connaissance d'Ifa, l'aubergiste du camp. Que puis-je pour toi? Avez-vous des tâches dont vous aimeriez que je me charge? Je n'ai pas le temps de finir de poser la question qui fait s'écrire des carapaces de larves. Je lui répète que ses paroles sont le temps de la question afin qu'elle clarifie sa demande. Elle hoche la tête. Il me faut des carapaces de larves. Et qu'est-ce que tu sais au sujet des carapaces de carabées? 2 ou 3 petites choses. Eh bien, j'ignore si
Ce que je vais te dire fait partie de ce que tu sais, mais les larves de scarabée laissent des carapaces derrière elles. Quand émues, elles sont superbes et très résistantes. Ça ne te dérange pas, j'aimerais bien que tu ailles m'en chercher. Les carapaces qui m'intéressent sont celles des scarabées Hercule. Tu n'auras pas besoin d'aller plus loin, il y a un nid tout proche, mais il est gardé par la mer. Tu vas devoir te méfier d'elle. Je lui réponds que je ferai de mon mieux. Je peux faire autre chose pour toi. Au revoir, ma chère. Bobby Marchand itinérant, novice, bienvenue, viens voir les marchandises. J'aimerais bien faire un truc. Excellent, n'hésite pas à jeter un coup d'œil à mes marchands. Avant de. Les ailes de Héraclès Gouta, ces ailes forment un mandibule, sont souvent utilisées par les amoureux des scarabées. À la prochaine, Jérémy. À bientôt. Connexion. Bonjour, Sab. Message non lu, zéro. Bonne journée. Bon. Immobile. Les forges à masque ne disent pas un mot. Je n'arrive pas à déterminer si la forge masque est d'origine humaine ou autre. J'ai entendu parler d'une forge à masque dans les nombreuses histoires. C'est eux que les novices viennent voir pour obtenir leur masque quand ils ont réussi à gagner trois insignes identiques. Je ferais bien de chercher à gagner davantage d'insignes. Je quitte la forge de masque. Puis-je pour toi? Au revoir. Je ferais mieux de récupérer davantage de masse et vestiges. Bon, vu du pan. C'est l'idéal. Faut se rapprocher. C'est loin encore.
Le nid du scarabée d'Hercule. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Sable, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!